Levez mon ventre. T'es venu à la maison? Petit Quentin. Viens voir. Tu vas voir qui? Tu vas voir qui? Ace? Viens voir. Allez, viens. J'ai le seum pour toi. Mmh. Merci. Ace. Papa, il va faire une connerie. Tu m'acceptes, malgré tout? Mmh. Merci. Si papa fait une connerie, tu vas accepter? Tu m'aimes malgré mes défauts? Allez, hein. C'est ça? Attends. Ace, je vais me rendre avec mon groupe. Ok? Je reviens. On va aller marcher après, ok? Entre live, la texto, si vous avez écouté mes anciennes vidéos, vous savez que je me suis promis de terminer 2023 mieux que je l'ai commencé. Quand je me suis fait cette promesse-là, il restait 3 mois à 2023 et j'avais encore aucune idée de ce qui m'attendait. Je me vois pas passer 2024 avec quelque chose de non résolu ou une tristesse non guérie ou une plaie ouverte. Il est clair que ma plus grande blessure en 2023, c'est la perte de mon chien. Il n'y a pas eu une seule journée où j'ai pas regardé par la fenêtre dans l'espoir de le voir. Détrompez-vous, mon ancien chien, je l'aimais pas plus que Ace. Ace, c'est mon meilleur ami, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, mais c'est juste deux histoires totalement différentes. Ace est de loin le meilleur chien que j'ai eu de toute ma vie. Ça, c'est clair. Grâce à lui, j'ai réussi à passer 2023 beaucoup plus facilement. Clairement, Ace m'a fait plus de bien mentalement que n'importe quoi d'autre dans mon année. Malheureusement, Ace ne pourra jamais guérir la blessure que j'ai à l'intérieur de moi à cause de la perte de Théo. Et j'ai essayé, ça fait maintenant 9 mois que je partage mon quotidien avec lui. Je serai jamais capable de tourner la page sur ça, en fait. Je vais devoir apprendre à vivre avec, et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais déjà. Et j'ai pensé qu'en ayant Ace dans ma vie, j'allais tourner la page, mais non. Et puis un beau jour, j'ai reçu un texto me laissant informer que Mia et Charlie, la mère et le père de Théo, avaient eu des bébés. 4 beaux bébés. Là, ma vie a complètement changé. Et donc, je me suis enfermé 24 heures pour un concept de vidéo, mais à la base, c'était seulement parce que je devais absolument réfléchir à ça. Qu'est-ce que je fais? On est le 24 septembre, au moment où je tourne cette vidéo-là. Et demain, le 25, mon chien naît, mon petit bébé. Donc, je ne l'ai toujours pas vu, évidemment, parce qu'elle n'est pas née, en plus. Je ne sais toujours pas son nom non plus. Ça fait déjà quelques jours là, que je sais qu'elle va naître. Le texto m'a chamboulé de fou. Je savais pas que ça allait arriver. Mais c'est une occasion que je peux pas manquer, en fait. C'est prendre ma dernière chance d'avoir une petite partie de mon chien dans ma vie. J'ai tellement hâte de la voir demain. Ça va me faire de quoi. Les photos, ça va me frapper. Les amis, ils sont nés. Voilà.
C'est fait. Les quatre bébés chiens sont en vie. Donc finalement, ils sont nés le 24 septembre, au moment où j'ai fait la dernière vidéo. Et juste, là, je l'ai su le 25, dans le fond, le lendemain. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre, sérieusement. Les quatre bébés. Donc, il y a deux femelles, deux mâles. Et il y a toutes les options. Il y a toutes les options. C'est ce qui me fait le plus hésiter. Une femelle rousse et noire. Puis il y a un mâle roux et noir. Donc, toutes les options sont là. Le seul que je sais que je vais pas prendre, c'est le mâle noir. Parce que de base, je me vois plus avoir une femelle rousse. Mais je suis pas contre une femelle tricolore, une femelle noire. Et si le feeling est vraiment là avec le mâle roux, alors ça va être lui. Mais vu que, puisque j'ai déjà eu un chien exactement comme ça, donc le mâle roux, je m'étais dit que j'allais pas reprendre le même. Et le mâle noir, je vais préférer tout simplement la femelle. Mais je vais aller au feeling, en vrai, ça veut rien dire. Je vous ai fait gaspiller une bonne minute. Je vais vraiment aller au feeling. Si peu importe lequel des quatre, juste le feeling est là, l'électricité passe, je le vole, je l'enlève direct. Je peux juste le voir dans 10 jours. Dans 10 jours, donc on va être quoi, je sais pas, on va être genre le 5-6 octobre. J'ai vraiment hâte. On est le 28 septembre et le temps est long. J'attends mon chien depuis quelques jours. Je pense à elle absolument, elle ou lui, hein, absolument tous les secondes de ma vie. Mais toi, ça va te faire quoi d'avoir un autre chien, mon bébé? C'est une question que je me pose, sérieusement. Je veux dire, Ace n'a jamais vécu avec un autre chien. Mais... Wow, qu'est-ce que tu fais, frérot? Mais, tout le temps... Ace, j'aimerais ça tourner ma vidéo tranquille. Tout tard, de toute façon, il va devoir. Parce que forcément, moi, j'aurai d'autres chiens dans ma vie. Fait que je me dis, autant le faire pendant qu'il est bébé, justement. Puis que lui, il s'habitue à avoir... Avoir un autre chien dans le décor, en fait. Ou plusieurs. Je sais qu'il est bon avec les autres chiens, qu'on va au parc, ou quand on va chez un parent, whatever. Il est habitué d'être tout seul avec moi. Moi, je suis habitué d'être tout seul avec lui. Bon, moi, dans mon passé, j'ai déjà eu deux chiens en même temps, donc je sais que je suis correct. C'est une des questions que je me pose. C'est lui, est-ce que ça va l'affecter? Qu'il soit plus le centre d'intérêt de la maison, mais juste le deuxième. Ben, pas le deuxième, mais en égalité avec l'autre. Un des deux. On va le savoir bientôt, hein? On se revoit bientôt. T'as hâte de la voir, ta petite soeur? On est le 30 septembre et je suis dans le mètre carré. L'une des plus grandes raisons de pourquoi j'ai fait toute cette vidéo-là, c'était pour le chien, en fait. Je voulais réfléchir. D'où la fin de la vidéo. Je sais pas si vous l'avez vu, mais à la fin de la vidéo, j'envoie un texto disant que je veux passer, mais en fait, j'ai envoyé le texto pour dire que j'allais passer voir le chien. Ouais, j'ai des grosses réflexions par rapport à ça. J'essaie de me mettre à la place du chien. Est-ce que je suis vraiment le bon maître pour elle? Pas plutôt, est-ce que elle, c'est le bon chien pour moi? Ou est-ce que je serais plus heureuse avec un autre endroit, un autre maître? Ici, il y a quand même déjà un chien. Donc, c'est pas tous les chiens qui veulent être avec d'autres chiens. Il y en a qui veulent avoir un maître tout seul. Et je suis quand même très occupé. Quand même, 40 heures de live par jour. Truc de fou. 40 heures de live par semaine, les vidéos, le gym, s'occuper de l'appart, c'est ça en tout l'aspect social, et Ace, puis un deuxième chien, et Timothée. Ouais. Des fois, je me dis que peut-être elle serait mieux avec quelqu'un d'autre, une famille qui aurait plus de temps, une cour, une maison, qui veut juste un petit chien. Donc ouais, je réfléchis à ça. Ben, je veux dire, je réfléchis déjà à ça depuis des heures et des heures. Je sais que je vais le prendre, le chien. Je crois que ça va être une fille. Ça, je suis pas sûr. C'est sûr que c'est un petit gars. Mais je pense que ça va être une fille. Je suis prêt à mettre tous les efforts qu'il faut pour ce chien. So, je viens d'apprendre que demain, à midi, on est quoi? On est le 6 octobre, je pense. Je vais le confirmer à l'écran. Que demain à midi, je vais aller voir les chiens. Donc, ça a été quand même toute une attente. Là. On est le 24 septembre. C'est quand même long. Genre, quand tu penses juste à ça, 8 heures. Pourquoi 8 heures? 24 heures sur 24? C'est quand même long. So, j'ai... Fucking out. Le petit gars noir, je sais que je vais pas... Oh, ça c'est bizarre d'une même. Mais le chien de couleur noire qui est un garçon, lui, je sais que je vais pas le prendre. Si je prends un gars, c'est pour qu'il soit exactement pareil que mon ancien chien. Ben, c'est thématique, c'est cute. Qu'il soit pareil que son grand frère, genre. Et c'est ça. Mais la fille, elle peut être deux couleurs, ça me dérange pas vraiment. J'ai allé au feeling. Puis peut-être qu'il y en a une qui va avoir un trait particulier, comme une couleur autour de son œil ou un truc comme ça. J'ai vu des photos.
J'ai pas vu tant que ça, ils ont même pas ouvert leurs yeux, donc j'ai trop hâte de voir. Puis nous, on se voit demain pour rencontrer des chiens pour la première fois. J'ai tellement hâte de les avoir dans les mains. So, je suis arrivé, je suis devant la maison que j'étais il y a 2 ans. J'étais exactement ici, donc ça fait bizarre. Je vais vous en parler surtout après, je vais voir le chien, je suis stressé. J'ai hâte de voir les 4 bébés, je vais vous prendre des milliers de vidéos. Maintenant, on va faire une voix off, je vais sûrement pas vous parler à la caméra. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre d'être... Quand j'ai fait le chemin, là, c'est le même chemin qu'il y a 2 ans, 1 an et demi. Donc ça rappelle les souvenirs. OK, je vous parle à paix. So, c'est fait. J'ai rencontré les chiens. Franchement, ça fait bizarre. Ça fait un peu bizarre. Ça fait bizarre de faire ça seul un peu. Ça rappelle un peu des souvenirs. Autre que ça, c'est... Il y a eu erreur. Les deux chiens noirs, c'est des mâles. Puis les deux chiens roux, c'est des femelles. So, déjà là, c'est pas ce que je pensais. Ça change absolument tout. Parce que moi, je voulais une femelle noire ou peut-être une femelle rousse. Mais là, je peux juste avoir une femelle rousse. Sauf que les deux femelles rousses ont des petites taches. Des petites taches sur le museau. Et c'est tout, un tout petit détail. Hein? J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de taches. Sinon, je voulais un noir. Je voulais vraiment un noir. Un truc color, en fait. Là, je sais plus. Je sais plus ce que je vais faire. Mais c'est parce que c'est un mâle. Puis avec Ace, 2 mâles dans mon appart. Il y a déjà Timothée et moi aussi. Ça fait 4 mâles dans un tout petit appart. C'est beaucoup, là. Ça fait beaucoup de gars, de testostérone. Fait que je voulais vraiment une femelle, apporter un peu de féminité. Féminité. Un peu de fille. Apporter un peu de fille. Waouh, le choix du ciel. Puis là, vu qu'ils me connaissent, puis que j'ai déjà apporté des chiens, non seulement j'ai un rabais, ça c'est vraiment cool. Puis en plus, ils m'ont permis de réserver 2 chiens pendant 1 semaine. Fait que j'ai 1 semaine dans laquelle vous allez me voir avoir la gueule pour réfléchir à une grosse décision. Je me vois pas vivre sans une partie de Théo de ma vie. Et c'est peut-être la dernière fois que les 2 parents de Théo ont des bébés. Les 2 exactement mêmes parents. C'est sûr que la rousse, elle a une petite tache, c'est peut-être cute, mais je l'imaginais sans tache. C'est juste ça. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de réfléchir. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je me casse la tête pour rien. En fait, c'est que je voulais vraiment une femelle noire, là. Ça me fait fucking chier. Ah! Mais un petit mâle noir à suivre. Yo, on est le 12 octobre. Donc quand même quelques jours après qu'on soit parti voir les chiens. Et je n'ai toujours pas pris une décision de quel chien je prends. J'ai quand même genre un peu plus... envie de la rousse parce que toute ma vie j'ai dit que j'allais avoir une rousse dans ma vie, que ça allait être de l'amour de ma vie, et donc c'est cocasse, mais je le verrais bien noir. C'était la première fois, je pense pas que je l'avais dit, mais c'était la première fois que je voyais le père de mon ancien chien, Théo. J'avais jamais vu son père. Je savais qu'il s'appelait Charlie, je savais même pas qu'il était noir. Et non, Riblard, je savais même pas. En tout cas, je pense pas que je l'avais vu. J'avais juste vu sa mère, Mia. Puis quand j'ai vu son père, ça m'a fait de quoi, genre vraiment... Puis j'avais oublié d'en parler, mais ça m'a vraiment affecté. Genre, son père et Théo sont identiques, juste pas de la même couleur, mais c'est les mêmes épaules. Quand je l'ai pris dans mes bras, quand je l'ai touché et tout, j'ai passé comme beaucoup de temps avec lui. Ils ont les mêmes... sont pareils. Ça m'a fait de quoi un peu? De retoucher à mon chien. Mais il était vraiment beau. Il était vraiment beau, Charlie. J'ai remarqué qu'il est bien plus beau que Mia, qui est la mère. Puis Mia... elle, ben, sa fille va ressembler exactement à elle. Puis elle est belle, Mia. Mais Charlie, je l'ai trouvé beaucoup plus beau. Puis il est noir, ben tricolore. Ouais, je voulais ma petite princesse. Puis anyway, j'ai déjà un gars, tu vois. J'ai déjà un gars. Puis il pète déjà les couilles. Ah, et tu vois. Fait que je sais pas si avoir 2 gars ici, en plus c'est déjà moi et déjà Timothée. So, faut juste que je réfléchisse maintenant.
What's up? On est le 27 octobre. Je m'en vais voir mon chien. Je m'en vais voir mon chien. Donc là, il a fallu que je choisisse entre la fille et le gars. J'ai choisi la fille avec la petite tache sur le côté de la bouche. Par sécurité, je m'en vais les voir. Et je vais leur demander si le gars a été pris finalement. Et si le gars n'a pas été pris, je sais pas. Je sais pas si je vais le prendre. Il y a eu un feeling quand j'ai pris le gars que, je sais pas, j'ai eu un feeling que c'était mon chien un peu. Je sais pas comment expliquer. Mais le petit gars, il y avait quelque chose, I guess. Celui qui s'était fait pipi dessus. Je sais pas, genre son visage, pis je sais pas, quand j'ai touché le père, pis j'ai senti mon chien, genre, ça m'a fait quelque chose. Fait que je sais pas si, qu'est-ce que je pourrais faire. En plus, si je prends une fille, je suis obligé de faire stériliser Ace. Ça me tente pas vraiment. Éventuellement, je vais le faire stériliser parce que c'est dangereux, un gars et une fille. Même si je pense pas que c'est des races qui peuvent vraiment faire couper, là. Mais ça reste qu'il va avoir envie de la monter un peu, pis ça va activer des trucs chez lui de cohabiter avec une femelle. Donc j'aurais pas le choix de le stériliser un jour. Alors que si je prends un gars, j'aurais pas ce problème-là. Mais si je prends un gars, ben ça va être un peu la rivalité de c'est qui le gars, le mâle, l'alpha. Je vais y aller au feeling, I guess. À tantôt. Bon, je viens de ressortir de là-bas. What the fuck? Je suis perdu. J'ai réservé la rousse. Mais le gars, je sais pas, j'ai un feeling. Il y a quelque chose de plus. Là, je vous ai montré des vidéos. Il y a quelque chose de plus. La fille, c'est parfait parce que quand je l'ai, elle dort dans mes bras tout le temps. Tandis qu'il y en a plein qui font pas ça. Genre, j'ai pris tous les bébés. Je les ai pas filmés. Mais il reste pas couché sur toi. Il bouge. Il essaie de manger ta veste, etc. Elle est calme. On dort ensemble déjà. C'est nickel. Le petit gars tricolore. je sais pas. Il y a un petit feeling parce que. Sauf que je voulais pas un deuxième gars, pas avec Ace. Mais en même temps, si j'ai une fille, Ace doit le stériliser. Puis je suis pas tendante de le stériliser. Genre, je suis quand même down d'avoir mon gars avec des bonnes grosses couilles. Je suis mitigé, mais j'adore les deux bébés. Les deux bébés sont pas pris. Genre, ben, la rousse est prise par moi. Mais le gars, il a toujours pas été pris. Toujours pas été acheté, là, en 3 semaines. Quel con. Mais toutes les autres sont pris, hein. Toutes les autres sont pris. Sauf ces deux-là. Ben, sauf le dernier qui reste, c'est le gars juste pour faire exprès que moi j'aime bien, genre. Fait qu'il faut que je prenne ma décision aujourd'hui, parce qu'il pourrait être acheté, genre, demain. Mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Pour l'instant, je reste avec la fille, puis parce que c'est plus facile d'avoir un gars et une fille. Je suis mitigé. Le monsieur-là m'a jugé, comme si j'étais Jésus. Il m'a regardé, genre. Le jugement. On reparle tantôt, I guess. On reparle tantôt. Sérieux, je me rends compte d'une coïncidence de malade, genre. Il y a une toune, la toune thématique de mon ancienne vidéo. Genre, pas la dernière, l'autre. Je l'avais choisi juste parce que ça sonnait bien, tu vois. J'avais jamais regardé c'était quoi la toune vraiment. Moi, j'ai pris cette toune-là d'un site qui propose juste des musiques thématiques. Et donc, j'avais jamais regardé le titre. J'ai fait cette vidéo-là en septembre, ou peut-être en août. En août. Et j'avais aucune conscience que j'allais adopter un chien ou même les chiens n'existaient même pas encore. Et cette tune-là, je l'ai écoutée non-stop. C'est ma musique de outro, donc quand mes lives finissent, à toutes mes lives. Et cette musique-là, aujourd'hui, je viens de voir le titre pour la première fois. J'ai vu le titre. Et le titre, ça pourrait être n'importe quoi, là. Pour n'importe quoi, j'ai choisi une tune au hasard. La tune sonne super bien. J'annonce que mon chien, je l'ai perdu. Mes deux chiens, je l'ai perdu. Cette tune s'appelle Maybe We Meet in November. Peut-être nous nous rencontrons en novembre.
c'est quoi les chances? Genre que j'adopte un chien en novembre, que la toune que j'utilise non-stop pour mes créations, ça s'appelle comme ça, puis peut-être nous nous rencontrons en novembre, puis j'adopte genre une partie de mon ancien chien, son petit frère, sans le savoir, genre c'est fou, je comprends pas, les coïncidences sont insane. Cette musique-là, je l'utilise à tous les jours, je l'écoutais à tous les jours depuis la vidéo, là. Genre, cette musique-là, elle m'a bercé, là. Genre vraiment, je l'écoutais en dépression, des heures et ça m'a vraiment fait du bien. Genre, c'est pas juste pour la création, jamais quand je reviens du gym, c'est dans ma musique thématique, c'est un bon bout. Là. Je l'écoute non-stop parce que ça me rappelle des moments. La vidéo, la chanson est full aidée, là, genre mentalement. Ah, c'est destin. Je sais pas comment l'expliquer. Ça y est, nous sommes le 18 novembre et nous allons chercher le chien. On est arrivé. On va le chercher. Le chien. Bon, je suis de retour. Le chien est juste là. Le chien est à côté de moi. Je pense que vous l'entendez. Il se promène. Le chien. Ah, vous avez toujours pas lequel j'ai pris, donc c'est assez drôle. Donc, on va aller à la maison. Et puis, c'est fait? C'est officiellement le début d'une grande aventure. Pas vrai, King?